Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que ce sera un autre thème qui sera abordé, c'est les découvertes. Je vous avoue que j'ai oublié d'en parler dans mon paquet présentation, mais pour moi ça va être une catégorie de vidéos très importante. Donc découvertes, pourquoi découvertes? Tout simplement ce sera des produits, des boutiques, des créateurs, coup de cœur, que tout le monde ne connaît pas et qui vraiment vaut le coup. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler de trois créatrices coup de cœur. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. La première, Madame Manon, est créatrice depuis 2006. Elle utilise la pâte primo pour créer un univers enchanté, un univers merveilleux et tout particulièrement des bijoux artisanaux. Je vous précise tout de suite, elle ne fait pas beaucoup d'objets personnalisés et je pense que c'est tout simplement parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent ses créations et donc elle est obligée de faire des ventes un peu privées, voilà. Elle fait des ventes où elle met ses créations en vente. En ce qui me concerne, j'ai craqué pour ceci, un collier avec, comme vous l'aurez reconnu, la petite sirène en doudou polochon. Alors, faut savoir que ce produit-là, je le voulais déjà depuis plusieurs mois, donc depuis l'année dernière, et j'ai réussi à l'avoir que il y a 2 mois, je dirais, à peu près. Donc, faut être patient, mais pour cette petite beauté-là, on peut l'être. Moi, je la voulais absolument et je suis très heureuse de l'avoir. Si je peux en avoir d'autres, bien sûr, j'en prendrai d'autres. Avec ce bijou, vous allez recevoir un certificat d'authenticité et j'ai reçu aussi une jolie carte postale avec écrit Madame Manon derrière. Elle est juste sublime. Le collier était à 20 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook. Je vous mettrai son lien en barre d'infos de toute façon. Maintenant, on va passer à la seconde créatrice, chez Kelina Mes Créations, qui vous fait de sublimes bougies naturelles et artisanales, bien sûr. Par contre, elle personnalise presque toutes les bougies. Il suffit de lui demander et elle vous met des papillons, des strass. Elle vous fait des odeurs aussi personnalisées. Donc, ça peut être gourmand, floral, fruité, tout ce que vous voulez. Et moi, je sais que pour ce que je voulais, elle me les a trouvées et je suis très heureuse. C'est vraiment une créatrice à l'écoute de ses clients et ça, c'est super agréable. Elle vous fait des bougies comme vous le souhaitez, vous lui dites les indications, elle vous le fait. Bien sûr, vous pouvez aussi en acheter des bougies déjà toutes faites qu'elle imagine. Je vais vous présenter tout de suite un cupcake que j'ai fait fondre pour que vous voyez à peu près comment ça fond et que c'est vraiment de la bonne qualité. Vous ne pouvez pas le sentir, mais je vous avoue que c'est une tuerie l'odeur et elle reste très longtemps. En plus de la qualité de ces produits, les prix sont imbattables. Par exemple, je vais vous montrer ces petites tartelettes et ces petits cœurs. Je crois que je les ai eues pour 95 centimes chaque. Donc, autant dire pas grand chose. Vu l'odeur qui en dégage, je peux vous assurer, ils sont trop bons. On dirait que c'est spéculoos. Je crois que c'est spéculoos. Et ils sont vraiment... Ça donne envie de manger. J'ai pris aussi une bougie. Celle-ci, je crois que je l'ai eue pour 8 €, si je ne me trompe pas. Donc, un cupcake. Celui-ci, c'est en bougie. Alors ça, j'ai dû avoir 4 ou 5 €. Et un petit cœur. J'avais d'autres produits, mais bien sûr, je les ai utilisés. En tout cas, je vous la recommande 1000 fois si vous adorez les bougies ou si vous voulez offrir des bougies à votre entourage. N'hésitez pas, elle est vraiment adorable.
La dernière créatrice que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui, c'est Noémie, des petites créas de Nono, qui a créé ma bannière, qui est juste sublime. Elle est fantastique, cette femme, parce qu'elle vous écoute. Moi, j'ai demandé quelque chose et elle l'a vraiment fait en y mettant son petit truc à elle, en me disant, elle vous conseille sur ce que vous voulez faire. Elle crée pour les professionnels et pour les particuliers des logos, des flyers, des faire-part, des cartes de visite, des portraits, enfin bref, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller la contacter si vous avez des cadeaux à faire, parce que par exemple pour Noël, ça peut être sympa d'offrir un portrait de famille. N'hésitez pas aussi à aller voir son blog, parce qu'elle nous fait des illustrations de sa vie quotidienne de façon humoristique. Elle vous montre aussi quelques-unes de ses créations. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Voilà, la vidéo est bientôt terminée. Je vais vous mettre tous les liens des artistes en barre d'infos. Ce n'est pas un partenariat. Tout ce que vous avez vu, je l'ai payé. La bannière, d'ailleurs je remercie Betty qui, j'espère, passera par là. On me l'a offerte. Donc tout a été payé. C'est pas... ils m'ont pas demandé de faire cette vidéo. Je l'ai fait de moi-même parce que je trouve qu'elle le méritait. Là, la vidéo est terminée. Je vous mets toutes les infos des créatrices en barre d'informations. Et moi, je vous retrouve très vite. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas le cas déjà sur ma chaîne. Salut!